Good morning, allez, Yiden, les tutos aujourd'hui, le Nishmat, Amram Yona Ben Chana, Peggy Bat Esther, Nissim Ben Aouda, Michel Noé, comme c'est le Fatroud, Bat Kolodin Traina, Sim Chabat Masoudi, Betor Chapeau l'Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la sécrète de Yod, Père Gimel, Mishnah Yud. Shalosha, Devarim Rabban Gamliel, Mahmir, Kedivre Ben Chamay. En Tomnin et Achamin, Miyom Tov, le Shabbat. Ve En Zokfin et Amenora, Beyom Tov. Ven ofin pitin geritzin ella rekikin. Amar Rabban Gamliel, mimehen shel bet abba, lo hayu ofin pitin geritzin ella rekikin. Amru lo manase de bet avicha, shayu machmirin al atzman, umikilin al Israel, lihiot ofin pitin geritzin vachori. Trois choses, Rabban Gamliel était machmir kedivrei bet shamay. Était tranché la halakha comme Bet Shamay. Soit, on sait bien qu'il y a dans le chasse plein de machlokot entre Bet Shamay et Bet Hillel. De manière générale, Bet Shamay est toujours plus mahmir, plus rigoureux, strict par rapport à Bet Hillel. La halakha est établie comme Bet Hillel. Malgré tout, Rabban Gamliel, qui était un des Nessim, d'ailleurs même un descendant de Hillel lui-même, sur trois halakhot, il tranchait la halakha comme Bet Shamay, bien que c'était une Chumra, il tranchait la halakha comme Bet Shamay. Quels sont ces trois halakhot? En tomnin et achamin miyom tov le Shabbat. Littéralement, d'abord traduit, on ne camoufle pas l'eau chaude de Yom Tov à Shabbat. On parle de quoi? Le Bar Tanoura, d'un jour de Yom Tov à un jour de Shabbat. D'ailleurs, ça va être halakhot qui vont concerner pour Rosh Hashanah, Bezrat Hashem, qui va tomber un jeudi, vendredi, et puis ensuite on passe du Yom Tov jusqu'au Shabbat. Pour pouvoir préparer du Yom Tov au Shabbat, tout le monde sait bien que l'on doit faire un Eruv Tavshilin, préparer un plat depuis avant le Yom Tov, pour en l'honneur de Shabbat, et grâce à ce Eruv-là, ça va nous permettre de préparer du Yom Tov à Shabbat. Parce que sinon, préparer d'un jour de Yom Tov, un jour de Chol, ou même un jour de Shabbat, c'est interdit. D'accord? On n'a pas le droit, on n'aurait pas le droit de cuisiner depuis Yom Tov pour préparer son Shabbat sans le Hérouv qui est un. Consultez le 5 minutes éternelles, mais en Tachem, on va en parler ce mois-ci dans le livre. Vous l'avez sur le site. Ceux qui sont abonnés, eh ben tant mieux pour eux. Ceux qui ne sont pas abonnés, qui s'y abonnent? Et voilà, dans ces coups de pub entre deux. Concrètement, lorsqu'on fait un Hérouv Tavshilin, on vient par là permettre toutes sortes de préparatifs. Essentiellement, de Melachot, qui font en réalité trois, comme ce qu'on va voir dans notre Mishnah. Dans la halakha, on distingue les types de cuisson à ce qu'on appelle le bichoul et la afia, faire cuire à la casserole ou faire cuire au four, avec le feu directement. C'est la différence entre ce qu'on fait des pâtes, on fait bouillir de l'eau et l'eau chaude va faire cuire les pâtes. C'est par un intermédiaire, c'est ce qu'on appelle bichoul. À l'intérieur de ça, on peut inclure aussi le tigoun, c'est le même principe, lorsqu'on fait frire dans une huile profonde. À la différence du afia, qui est une source de chaleur, une flamme, qui fait directement cuire l'aliment. On fait cuire du pain, on peut faire même cuire du steak, même s'il s'appelle tlia, c'est le même principe malgré tout. C'est deux types de cuisson distincts. La question maintenant est de savoir, lorsque je fais le Eruv Tavshilin, concrètement lorsqu'on fait le Eruv Tavshilin, on est mahmir de faire, de mettre un plat cuit et même un pain pour permettre ces deux types d'actions. C'est l'usage qu'on a, puisqu'on prépare un plat cuit, cuisiné. En général, on utilise un œuf, bon, en réalité, on peut même utiliser de la viande, comme c'est écrit dans 5 minutes, toujours le même coup de pub. D'accord, longuement. En tout cas, on utilise un plat cuit pour permettre la cuisson avec une sauce, le bichoul, et un pain pour permettre de faire même de pétrir son pain depuis Yom Tov, pour avoir du pain frais en l'honneur de Shabbat. Selon Bet Shamay, on rajoutait même une troisième chose dans le Hérouv, c'est qu'on préparait un plat cuit, déjà complètement cuit, qu'il fallait enfouir sous une couverture, par exemple. Qu'il fallait enfouir sous une couverture. Pourquoi? Parce que de Yom Tov à Shabbat, il y a une halakha qui est interdite, qui s'appelle une halakha midrabanan qui interdit Atmana. Vous avez déjà entendu parler. Pendant Shabbat, on n'a pas le droit de mettre quelque chose de chaud sous une couverture pour conserver sa chaleur lorsqu'on l'enferme complètement, ou même si on a plus forte raison, si on le met sous une plaque de cuisson et qu'on l'enferme entièrement, il y a en cela un Issour Atmana, c'est-à-dire la fin vaste, Issour Atmana. Selon Bet Shamay,
Puisque depuis Yom Tov à Shabbat, tu vas vouloir permettre ces trois types d'actions, qui sont Bishoul, Afiya et Atmana, il fallait que, lorsque tu fais ton Eruv, que tu prépares ces trois choses-là. Que tu mettes un pain cuit depuis avant le Yom Tov, en l'honneur de Shabbat, un pain cuit, un plat cuit, et aussi que tu prennes un plat cuit et que tu l'enfouisses sous des couvertures en Atmana, de manière à ce que tu vas nous montrer par là que tu prépares tous ces trois types de mélachot depuis avant le Yom Tov pour pouvoir le permettre pendant Shabbat. Donc on revient dans les mots, j'ai tellement rallongé parce que c'était pas en été, c'est pas tellement écrit dans les mots, si vous faites attention, dans les mots il y a juste écrit on ne peut pas enfouir un plat cuit du Yom Tov jusqu'au Shabbat. C'est-à-dire en réalité, comme ce qu'elle explique le Bar Tanora, si depuis l'avant le Yom Tov tu n'as pas préparé, tu as préparé un Eruv avec uniquement un plat cuit, mais tu n'as pas fait un Eruv ou qui incluait une Atmana, donc tu n'as pas le droit de le faire depuis Yom Tov jusqu'au Shabbat. On continue. The En Zokfin et Hamenorah Be Yom Tov. Littéralement, on ne redresse pas la Menorah, le chandelier, à Yom Tov. De quoi on parle? On parle d'une menorah shel prakin, shel chuliot. Il explique le Bar Tanora. Rapidement, vous avez déjà entendu sûrement, d'abord, issur bonnet pendant Shabbat ou pendant Yom Tov, on n'a pas le droit de construire quelque chose. Construire quelque chose, ça c'est vaste comme donnée. Bien sûr, on n'a pas le droit de construire une maison, mais en réalité, même le cas type, même quelque chose qui est posé de manière fixe sur un mur, tel qu'une fenêtre sur des gonds, ouais, on peut simplement l'emboîter, la déboîter, une porte. Eh bien, il faut savoir que dans ce qui est mechouba la carcasse, qui est rattaché au sol, le simple fait de fixer et de retirer, on transgresse en cela l'interdit de bonnet ou de sauter. Pendant Shabbat, c'est strictement interdit d'enlever une fenêtre ou d'enlever une porte qui est sur des gonds. Parce que ce qui est fixé au sol, c'est un statut de bonnet. Et lorsqu'on va le rajouter, Moussifin à la Binyan, on rajoute sur une construction fixe et on transgresse en cela l'interdit de bonnet. Ce qui n'est pas le cas pour les métaltélines, pour les biens, pour les mobiliers, tout ce qui est mobilier. Quelque chose qui est de manière prévue à ce que l'on monte et démonte constamment, ça peut être une table pliante, on va emboîter des pieds de manière à ce qu'on ne les emboîte pas de manière forte, bien sûr. Alors, sur ça, on tient à la lacha en binyan bekelim. Si c'est quelque chose qui se casse occasionnellement, il y avait une chaise qui était censée être fixée et que le pied se démonte, alors là on n'aura plus le droit de le remboîter pendant Shabbat, on transgressera en cela l'interdit de bonnet ou peut-être de maquille de patiche. C'est un vaste sujet. Maintenant, en binyan bekelim, ça implique essentiellement pour les choses qui s'emboîtent de manière facile dans les biens mobiliers, c'est prévu pour, on a le droit de l'emboîter, de le déboîter. Donc c'est de cela qu'on est en train, il y a en réalité, en cela, une discussion dans le chasse entre Beit Shammai et Beit Hillel. C'est expliqué de deux manières, la Mishnah, on va partir selon le Bar Tanora, d'accord? Après je rapporterai peut-être le Tiferet Yisrael de quoi il parle. Donc, En Zokfin Atamenora Biyom Tov, Rabban Gamliel pense que En Bin, et que Yesh Binyan Bekelim. Il pense qu'en réalité, si tu as, ça peut être un chandelier, ouais, qui n'est pas censé, qui n'est pas allumé, qui est juste un objet de décoration, qui est prévu à être déboîté et remboîté, et bien selon Beit Shammai et Rabban Gamliel pensent à la Rahatel, qu'on n'a pas le droit de l'emboîter, de la fixer pendant Yom Tov. Même si c'est que pendant Yom Tov, c'est la même chose aussi pour Shabbat, dans ce cas-là, on explique selon Bar Tanora. Donc on n'a pas le droit de l'emboîter, même si c'est prévu à cet effet, parce qu'on transgresse en cela l'interdit de bonnet. Le petit Tiferet Yisrael explique légèrement différemment, en expliquant que on parle en réalité que même selon Beit Shammai, il n'y a pas d'interdit de bonnet Bekelim. Seulement, même lorsqu'on tient la lacha qu'il n'y a pas de bonnet, qu'on ne transgresse pas l'interdit de construire dans des ustensiles qui s'emboîtent, malgré tout, si on les fixe de manière forte, il y a en cela un interdit de bonnet. Et là, on parle d'une xéra de rabanan, de ne pas emboîter un chandelier qui est prévu à cet effet, donc, à emboîter, de peur que tu vas le fixer de manière forte et transgressera en cela l'interdit de bonnet. Troisième halakha que Rabban Gamliel tenait comme Beit Shammai, Ve'en ofin pitin geritzin ela rekikin. Lorsque l'on fait en cuisine pendant Yom Tov, même si c'est que pendant Yom Tov en réalité, ouais, pas de Yom Tov pour Shabbat, uniquement pendant Yom Tov, on a le droit donc de pétrir son pain pendant Yom Tov. La Torah l'a permis explicitement de transgresser toutes les melachot qui sont nécessaires pour pouvoir manger frais pendant Yom Tov. Je crois que c'est écrit plus ou moins comme ça dans Parashat Beshalach, il me semble. Ouais, Beshalach. Et donc,
pendant Yom Tov, donc on a le droit de cuisiner pendant Yom Tov. Malgré tout, Chachamim sont venus et ont fait plusieurs décrets de ne pas se fatiguer de trop pendant Yom Tov. Plusieurs halakhot que tu pouvais faire depuis la veille, tu n'auras pas le droit de les faire pendant Yom Tov. Par exemple, dans Maseret Beitza, vous devez sûrement, ceux qui ont entendu parler, Maseret Beitza et Dofrinetza, on n'a pas le droit de piler du sel pendant Yom Tov, même si c'est pour manger, étant donné que tu pouvais le faire depuis avant Yom Tov, sans que ça perde sa fraîcheur. Voilà un exemple, type. Maintenant, pendant Yom Tov, tu as le droit donc de pétrir, de cuisiner, de faire ton pain frais. Malgré tout, lorsque tu pétris ton pain, Beit Shammai requiert à ce que tu fasses des pains simples. Tu fais des petites baguettes simples, tu prends ta pâte, une petite dose, une petite quantité, tu pétris des petits pains simples, tu te mets pas à passer des heures à faire du beau pain bien gonflé, trop compliqué. On en dit que pendant Yom Tov, que tu te concentres à te réjouir et pas à passer ton temps en cuisine. D'accord, c'est le principe. Donc, enofin pitin gritsin. On n'a pas le droit de faire cuire des pains gritsin qui sont des gros pains pendant Yom Tov. Et la rakikin, uniquement des petits pains, des rakik. Rakik, c'est des petits pains longs comme ça, des petites baguettes, des petites lachmaniot. Amar Rabban Gamliel. Rabban Gamliel vient et atteste son histoire. Moi, vous savez, Rabban Gamliel, je suis la famille des Nessim depuis des générations. De père en fils, on est tous les dirigeants du peuple d'Israël, c'est les Nessim. C'est Rabban Gamliel, et qui dit comme ça, Mimehen shel bet abba, depuis toujours dans la maison de mon père, lo ayu ofin pitin grisin el harikikin. Ils étaient makpidim, il se souvient très bien. Sa mère avait l'habitude, même si pour Shabbat, pour Yom Tov, quand elle pétrissait en chol, elle faisait des beaux pains, mais dès qu'elle se mettait à cuisiner, à faire son pain pendant Yom Tov, elle faisait pas des grands pains, des pitin grisin, el harikikin, uniquement des pains fins. Ouais, des petites baguettes, amrolo, chachamim l'ont retorqué. Manasseh le bet avicha, qu'est-ce qu'on va faire à la maison de ton père que tu rapportes une preuve? Shayu machmirin alasman, certes, eux ils étaient machmirim sur eux, ils étaient rigoureux de faire comme Beit Shammai. Mais malgré tout, on se souvient très bien aussi que chez ton père, lorsque les voisins venaient taper et demandaient Kvod Harav, est-ce qu'on a le droit de faire cuire des pains gros, ton père disait directement ou mekilin al Israël liot ofin putin gritsin vachori. Il permettait à tout le peuple d'Israël, eux c'était machmirim sur eux, mais en tout cas lorsqu'on venait de leur demander la halakha, ils enseignaient que on a le droit de pétrir toutes sortes de pains, même des gros pains et même des chori qui sont des pains encore plus gros, comme c'est rapporté Isaac Dola nefet al gabeg chalim, une sorte de gros pain qu'on mettait directement sur les braises, qui apparemment demandait beaucoup plus de travail. Lorsqu'on venait demander à la maison de ton père, dont tu rapportes la preuve, on venait leur demander si on avait le droit de faire ses pains, et te disait oui, t'as le droit, sans aucun problème, il y a en cela une grande mitzvah de Simchat Yom Tov, même si lui était machmir. Bien sûr, un rav, il a le droit d'être machmir pour lui-même, mais en tout cas, la halakha était établie sur tout cela, comme Beit Hillel, et pas comme Beit Shammai, et la halakha, Bemet, elle n'est pas établie comme... Pour toute cette halakha, on ne suit pas la halakha comme Rabban Gamliel, attendez qu'on va selon Beit Hillel, qui va permettre avec un seul hérouve, un seul aliment du hérouve, même un plat cuit, un plat de pâte, un œuf, il va permettre même de faire cuire du pain, a posteriori, même de faire cuire du pain et même de faire hatmana, d'enfouir, et il va permettre aussi de redresser la menorah pendant Yom Tov, parce que en binyan bekelim, et il va permettre aussi de faire cuire des gros pains pendant Yom Tov. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.